Bonjour, je suis ravi de vous retrouver ce matin et puis j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène en réunion. Imaginez, vous êtes lundi matin, vous êtes dans votre entreprise, il est 9h et c'est l'heure de la réunion hebdomadaire traditionnelle, euh, réunion durant laquelle euh, votre hiérarchie vous donne les objectifs de la semaine et donc vous distribue le travail à réaliser. La réunion dure 20 minutes, elle se passe bien et avant de clôturer, votre hiérarchie se tourne vers vous, vous tous. Et vous pose la question. Euh, alors c'est bon, vous avez compris. Sur à quoi chacun répond Oui, chef. Et la réunion se termine. Quel est le problème Le problème, c'est que à la question qu'il vient de vous poser, la réponse sera toujours oui. Chacun a nécessairement compris quelque chose. Maintenant, le problème, c'est que ce que chacun a compris n'est pas nécessairement ce qu'il y avait à comprendre. Et c'est ça, en fait, que votre chef voulait connaître. C'est ça qu'il voulait mesurer. C'est ça qu'il voulait savoir. Malheureusement, il n'utilise pas la bonne question pour ça. Non seulement il pose une question fermée, et en plus de ça, une question qui n'est pas là pour mesurer l'écart entre ce qu'il voulait vous faire comprendre et ce que vous avez effectivement compris. Alors, quelles vont être les conséquences, finalement, de cette stratégie désastreuse de communication alors les conséquences vont se situer à différents niveaux. À votre niveau, au niveau de votre chef, mais également au niveau de l'entreprise. Alors analysons tout ça. Imaginons que nous soyons une semaine plus tard, vous êtes dans la même réunion, et euh, vous remettez le travail qui vous a été demandé. Là, votre chef euh, reçoit ce travail, le regarde et exprime son insatisfaction. Ce n'est pas le travail qu'il a demandé, ce n'est pas ce qu'il attendait, euh, et donc il vous en fait le reproche. À la rigueur, euh, votre chef est quelqu'un qui communique mal et qui n'a pas beaucoup d'intelligence émotionnelle. Et donc, il commence même à vous humilier devant vos collègues en disant Mais enfin, qui m'a foutu un, un, un taré pareil euh, Comment est-il possible de remettre un tel travail Franchement, il faut être nul, etc., etc. Enfin, vous voyez un peu le ton. Euh, et puis, euh, on pourrait avoir des choses qui sont encore plus, plus fleuries, enfin, des propos plus fleuris que cela. Vous, de votre côté, ben, vous n'êtes pas très content évidemment de la situation. En plus de ça, vous, vous détestez, vous enragez que votre chef soit occupé à vous humilier devant vos collègues, collègues avec lesquels vous êtes peut-être aussi en compétition, euh, parce que vous aussi vous espérez pouvoir progresser dans votre carrière. Si maintenant ces situations se reproduisent régulièrement, euh, ben, ce stress que vous vivez va commencer à devenir de plus en plus présent, on ne va plus vous quitter. Pourquoi ben Simplement parce que quand on va vous donner du travail pour la semaine qui, qui démarre, ben dès cet instant-là, vous commencez à craindre de vous prendre à nouveau deux claques, si je peux oser l'expression, donc de, de, de vous prendre des reproches de votre chef euh, une semaine plus tard. Euh, C'est vrai que d'ailleurs, une, une approche même, je veux dire, mathématique de la question, ben vous donne raison, puisque vous avez une chance de parfaitement faire le travail qui est attendu, et puis vous avez une infinité de chances de remettre un travail qui ne correspond pas aux attentes de votre, de votre hiérarchie. Donc j'ai envie de dire les statistiques sont contre vous. Donc vous êtes face à une situation où vous êtes en quasi-certitude de, de devoir subir une punition, punition à laquelle vous n'allez pas pouvoir échapper, et c'est ça qui est important. En fait, ça nous renvoie à la gestion du stress. Alors on fera probablement une vidéo là-dessus un de ces jours, euh, mais simplement en deux mots. Euh, au niveau de, du règne animal, dans le règne animal, il y a deux réponses possibles face à un stress soit la lutte, ou soit la fuite, en sachant que la fuite est toujours préférée à la lutte. Pourquoi ben Simplement parce que un stress provoque une montée d'adrénaline. Cette adrénaline, elle est là pour nous aider dans cette situation, et elle peut soit aller vers les jambes, soit aller vers les bras. Donc si la situation le permet, ben, nous allons nous enfuir, c'est quand même ce qu'il y a de moins risqué pour nous. Sinon, ben, nous nous apprêtons à combattre. Le problème, c'est que nous les humains, ben, on est souvent dans des situations, où on ne peut faire ni l'un ni l'autre. On est dans des situations dites d'inhibition. Si votre chef vous appelle dans son bureau en vous disant vous, dans mon bureau, hein, il a l'air très en colère, vous ne pouvez pas ne pas y aller, donc vous ne pouvez pas fuir, et une fois que vous êtes dans son bureau, ben, vous ne pouvez pas l'attraper par le col et commencer à lui donner des gifles. Donc vous ne pouvez ni fuir ni combattre. Pourtant, vous avez une montée d'adrénaline, elle est là, c'est normal, il y a un stress. Qu'allez-vous en faire ben, Simplement, vous allez retourner contre vous-même, euh, et donc vous allez vous faire du mal à vous-même euh, par, par ce fait-là. C'est ce qu'on appelle euh, l'inhibition. Le problème, c'est que cette façon de fonctionner, ben, elle n'est pas neutre, je veux dire, elle ne vous aide pas à rester en bonne santé. Quels sont vos risques eh ben, on, on on revient à ce moment-là à toute l'étendue des risques psychosociaux. Ça commence euh, par les troubles musculato-squelettiques. Donc j'ai mal au bras, j'ai mal au cou. Donc vous savez, les maladies professionnelles d'une façon générale, qui sont liées à la posture, à la position, etc. Ça passe par les maladies euh, plus médicales, j'ai envie de dire, euh, dont on meurt à peu près certainement. Hein, un diabète de type 2, euh, un cancer, enfin ce genre de choses. Et puis si c'est pas assez rapide, on peut toujours se suicider, entre autres sur les lieux du travail, qui sont des choses qu'un certain nombre d'entreprises ont vécues ces dernières années. C'est ce qu'on appelle les risques psychosociaux. En même temps, c'est certainement pas ça que vous avez envie de vivre non plus, donc on verra je dire, plus tard dans la, la vidéo sur les risques psychosociaux, comment vous pourriez faire vous pour vous en sortir, mais en tout cas, quelque part, la situation qu'a créé votre chef vient de générer ça chez vous si on va plus loin vous concernant ben, vous venez également de comment dire de dégrader votre relation avec votre chef en ce sens que de votre point de vue et je vous comprends parfaitement euh, vous avez le sentiment que votre chef n'est pas très intègre or l'intégrité c'est binaire ou on est intègre ou on ne l'est pas or à travers ce qui vient de se passer il semble vous démontrer qu'il n'est pas intègre il vous a demandé quelque chose, ce que vous avez le sentiment d'avoir compris. Et en même temps, il vous fait le reproche de ne pas lui avoir donné ce que vous avez fait. Alors que vous avez, vous, le sentiment d'avoir fait ce qu'il vous a demandé. Et donc, vous ne trouvez pas ça très intègre. Qu'est-ce que c'est pour un bonhomme qui change les règles en cours de semaine et puis finalement qui ne se montre pas satisfait alors que j'ai fait exactement ce qu'il voulait que je fasse Bref, la confiance que vous avez entre, dans votre chef, je veux dire, vient d'être entamée. Ce qui n'est certainement pas une bonne chose. Ce qui risque d'ailleurs de créer par la suite ben, des... Présupposé, euh, enfin, certains présupposés soient présents dans la relation avec votre chef, si bien que cette situation risque de se dégrader, parce qu'après ça, c'est un effet d'accumulation qui va rentrer en spirale descendante. Donc ça, c'est la, la deuxième situation que vous avez par rapport à cela. Euh, vous vous sentez donc globalement très démotivé. Hein, Ce n'est pas ça qui va vous motiver. Alors cette démotivation ben, va vous rendre le travail plus compliqué, plus difficile à venir. Au-delà de ça, conséquence complémentaire, ben vous allez devoir refaire le travail. Donc, ça va créer une tension encore plus importante sur vos échéances, parce que vous avez d'autres échéances en cours. Or, le fait de refaire le travail, ça veut dire que vous allez devoir aller puiser dans votre capacité de travail. Alors là, je vous renvoie à la vidéo sur l'adéquation charge-capacité pour bien comprendre ce propos, mais il est au cœur quand même de la problématique ici. Donc vous allez consommer de votre capacité de travail à refaire une deuxième fois le travail, et ce, de façon tout à fait inutile, en ce sens que vous allez faire le travail deux fois. Donc il y a une fois de trop, j'ai envie de dire. Et le fait de le faire une deuxième fois, ben, c'est du temps que vous prenez sur... Le temps qui vous aurait été nécessaire pour pouvoir accomplir les autres tâches sur lesquelles vous êtes attendu, pour lesquelles il y a des échéances. Ce qui ne fait que finalement fragiliser encore votre position, puisque vous risquez d'avoir des reproches par rapport euh, aux autres travaux qui sont à remettre, soit parce que vous les aurez bâclés parce que vous aurez dû aller vite, ou soit parce que ben, vous n'aurez pas respecté les échéances. Donc, à nouveau, ce n'est pas une bonne situation pour vous. Donc on se rend compte finalement que euh, ben vous êtes dans une bien mauvaise posture et que les choses ne vont pas s'arranger pour vous. Analysons maintenant les choses du côté de votre chef. Chez lui aussi, les choses ne sont pas toutes roses. Euh, tout d'abord, ben le fait que le travail euh, remis ne correspond pas à ses attentes, ben lui, il a le sentiment que vous venez de le mettre en échec professionnel. Il ne va pas être en capacité de livrer euh, ben, ce qu'il aurait dû livrer puisque vous ne lui avez pas donné. Je vous rappelle que votre chef n'est pas là pour produire. En fait, ce qui est attendu de lui, euh, c'est qu'il obtienne des résultats à travers les ressources qu'on lui a confiées. Et dans ces ressources, ben, il y a des ressources humaines, comme on les appelle, c'est-à-dire euh, vous en tant que son collaborateur. Donc. Euh, il, attend, il vous a confié du travail et vous venez de le mettre en échec professionnel. Donc déjà, il peut vous en tenir rigueur par rapport à cela. Euh, ensuite, ben, compte tenu de ce qui vient de, de se passer, la relation euh, avec vous également a été entamée. Euh, vous n'êtes plus tout à fait une personne de ligne de confiance. On ne peut pas vous confier un travail en fermant les yeux, en se disant, en, est, en étant rassuré quant au fait qu'il sera bien fait, qu'il sera remis en temps, en heure, en qualité, en délai, etc. Euh, non, vous êtes une personne euh, sur laquelle on ne peut pas nécessairement compter. En plus de ça, il peut commencer aussi à, à dégrader également votre, euh, votre cotation en se disant Mais bah tiens, finalement, je pensais que c'était un expert ou un hyper professionnel, mais en fait, oui, c'est quelqu'un qui est assez moyen, euh, qui n'est pas tout à fait bon, etc. Et même si vous aviez euh, réalisé énormément de choses excellentes, euh, ben, elles seront rapidement masquées par les quelques euh, situations où vous avez euh, été en dessous ce qui, de ce qu'il attendait. Pourquoi ben Simplement c'est un phénomène dont on a souvent parlé ensemble, parce que notre inconscient a tendance à grossir les risques, à minimiser les, les bénéfices ou les points positifs, et donc les, les épisodes où vous n'avez pas été au rendez-vous ben, ont commencé à prendre une place excessivement importante. Et si ça s'est reproduit un certain nombre de fois, ça ne doit pas se passer nécessairement trois fois, au bout de trois fois, ça peut déjà être installé définitivement. Eh bien, Vous êtes vu comme étant quelqu'un dont il faut se méfier, dont on ne peut pas avoir parfaitement confiance, et donc il ne peut plus se reposer sur vous pour pouvoir avancer. En conséquence de quoi pour vous ben Évidemment, en termes d'avancement et tout ça, ça sera très compliqué, euh, puisque vous n'êtes pas nécessairement une personne qui aurait tendance à recommander sauf éventuellement si veut vous, vous, vous se débarrasser de vous, mais ça c'est une autre histoire, et euh, l'évaluation de fin d'année risque de ne pas être nécessairement euh, excessivement positive. Alors là je vous renvoie aux vidéos au cycle de vidéos que j'avais fait sur les évaluations de fin d'année euh, où vous pourrez en apprendre beaucoup sur le sujet. Alors du côté de l'entreprise, il y a aussi une conséquence euh, qui est purement économique. En fait, l'entreprise vient de payer deux fois au moins pour avoir la même chose. Une première fois pour un acte manqué, et puis une deuxième fois, si tout va bien, je veux dire, pour euh, la, le travail bien fait. Euh, ce qui veut dire qu'elle ben, a probablement renié ses marges, si pas euh, perdu de l'argent sur cette opération, sur ce travail. Alors, posons-nous un instant et posons-nous la question de quoi auriez-vous besoin pour réussir En fait, vous avez besoin de deux choses, me semble-t-il. Vous avez tout d'abord besoin d'avoir des instructions claires, et puis ensuite, vous avez besoin d'avoir une claire vision du processus que vous allez devoir dérouler pour pouvoir réaliser euh, la mission qui vous est confiée. Alors, Concernant le premier point, on l'avait déjà abordé dans une vidéo précédente, je vous y renvoie, concernant vos quatre droits fondamentaux. Euh, je vous rappelle que vous avez droit à des instructions claires, vous avez droit à la compétence, vous avez droit aux matières premières, vous avez droit à l'outil. Ce sont des, des droits que vous avez, donc s'il vous manque, vous êtes en droit de demander. Et ça, c'est vraiment la première chose à devoir apprendre, c'est de dépasser vos, vos blocages éventuels et oser demander ben, ce dont vous avez besoin pour réussir le travail. En l'occurrence ici, votre chef vous a donné des instructions, elles vous ont peut-être paru claires, ou peut-être pas, et vous n'avez pas eu le réflexe de, de faire clarifier les choses. En plus de ça, vous vous êtes peut-être pas suffisamment entraîné à écouter les propos et à repérer ce qu'on appelle les généralisations, les distorsions et les sélections. Alors, je ne vais pas passer mon temps à expliquer ça maintenant, on fera un jour une vidéo là-dessus. C'est ce qu'on appelle le métamodèle en PNL, euh, ou le langage de Milton euh, en hypnose qui ici doit être utilisé à l'inverse de la PNL ou de l'hypnose pour avoir ben, un langage de précision. Donc, en fait, si vous voulez, euh, la façon dont le, votre chef s'est exprimé, il s'est exprimé d'une façon que, que tout le monde peut, euh, où tout le monde va comprendre quelque chose, mais où tout le monde risque de comprendre quelque chose de différent. Ça n'a pas été suffisamment précis. Or, si euh, vous aviez été plus attentif ou plus aguerri par rapport à ça, ben vous auriez pu poser un certain nombre de questions pour clarification qui vous aurait permis d'avoir des instructions très claires. Vous auriez pu même explorer avec votre chef le résultat attendu de façon euh, à pouvoir mieux le servir et peut-être même fin du fin, explorer avec lui quels seront ses critères d'évaluation, parce que le fait de connaître les critères d'évaluation euh, de quelqu'un ben, vous renseigne beaucoup sur la façon dont il va juger le travail et donc sur ce qu'il en attend. Par exemple, avec mes étudiants, quand euh, ils ont des travaux à faire, comme c'est le cas pour l'instant, je remets ma grille d'évaluation où j'explique vraiment point par point ce que j'attends. Euh, par exemple, dans ma grille d'évaluation, ben, je vais évaluer un certain nombre... Euh, D'éléments du travail qui sera fait. Et par rapport à ces éléments, pour chaque élément, il y a trois, deux, trois points qui sont distribués. Ben voilà ce qu'il faut à minima pour avoir un point sur, ces, sur cet aspect-là. Si ces éléments suivants sont présents également, ben vous méritez deux points. Et puis, fin du fin, si vous avez ça en plus, ben vous avez vos trois points concernant euh, cet axe-là de mon évaluation. Et c'est excessivement puissant parce que les gens savent exactement ben, comment ils seront jugés. Et puis surtout derrière, il n'y a plus de discussion possible autour de ça, si ce n'est que de l'apprentissage pour pouvoir mieux euh, aiguiser son regard de façon à poser un meilleur auto-diagnostic, j'ai envie de dire, sur son travail. Donc la première chose excessivement importante donc c'est déjà de faire clarifier les choses. Alors évidemment le chef aurait pu le faire et ça nous le verrons euh, un peu plus tard ici dans la vidéo, mais vous pouviez aussi euh, poser des questions pour clarification si les choses n'étaient pas suffisamment claires. Évidemment, il faut peut-être apprendre à savoir communiquer, je veux dire enfin apprendre à communiquer, savoir communiquer de manière efficace avec sa hiérarchie. Ensuite, euh, vous avez besoin d'avoir une claire vision de votre processus. Alors, que va-t-il se passer ben, Vous allez rentrer dans votre périmètre de travail. Et là, vous devriez, en toute logique, ben, prendre un moment de temps pour vous poser, vous dire, ben, tiens, voilà, mon chef m'a demandé de réaliser ça. OK, comment je compte m'y prendre Quels sont les étapes par lesquelles je dois passer À quoi ressemble le processus dans lequel je vais devoir me, me, me mettre pour pouvoir délivrer ce qui est attendu de moi Éventuellement, y a-t-il des choses que je dois me faire livrer ça peut être des, des, des renseignements, ça peut être des données par, 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 euh, provenant de collègues, ça peut être aussi de vraies matières premières si vous êtes en production pure. Une fois que vous avez fait tout ça, ben, quelque part, vous savez quelles sont les actions que vous avez à entreprendre tout de suite. Ensuite, vous connaissez la séquence des choses qui sont à faire. Vous pouvez évaluer le temps que chaque étape va vous prendre. Et donc, vous pouvez planifier votre travail. Si vous pouvez le planifier, ça veut dire aussi que vous pouvez l'intégrer ben, par rapport euh, aux autres euh, échéances qui vous sont demandées. Et donc, euh, ce que réclament ces différents travaux. Et donc, vous pouvez vous placer pour tous les travaux qui sont les vôtres, ben, des échéances, jour par jour, semaine par semaine, euh, de choses qui sont à réaliser pour être au rendez-vous des résultats. Donc, c'est une chose que vous auriez besoin de faire. Mais pour cela, il faut prendre du temps. Euh, il faut un temps qui est nécessaire justement pour pouvoir vous, vous projeter dans le futur et euh, avoir cette vision. Le problème, c'est que quand vous allez rentrer dans votre environnement de travail, ben, vous allez être rattrapé par euh, ce qu'on appelle le monde de la demande. Alors, pour comprendre cela, il faut euh, repartir sur la matrice des honneurs. Alors, qu'est-ce que la matrice Eisenhower Eisenhower, du nom de ce grand président américain, puisque c'est lui qui a créé cet outil de façon à pouvoir euh, gérer au mieux son temps. Donc, nous sommes clairement dans de la gestion du temps. Alors, on fera un jour une vidéo sur la gestion du temps. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais je vais vous présenter tout de même cette matrice parce qu'elle va être essentielle pour comprendre ce que j'ai envie de partager avec vous. La matrice Eisenhower est une matrice à double entrée. Donc, c'est un outil excessivement simple. Moi, j'adore les outils simples parce qu'ils euh, sont déjà... Très facile à comprendre, mais surtout, ils peuvent nous aider à réfléchir, et le but c'est bien ça, c'est de réfléchir et de prendre des décisions. Donc c'est une matrice à double entrée. Euh, en abscisse, nous avons, donc sur la, sur la ligne horizontale si vous préférez, nous avons le fait qu'une tâche peut être urgente ou non urgente, et puis en ordonnée, c'est-à-dire euh, la, la, la ligne verticale, euh, une, une même tâche peut être importante ou non importante. Ce qui nous donne donc quatre cadrans. Euh, un cadran où une tâche pourrait être à la fois urgente et importante, un autre où la tâche pourrait être non urgente et importante, un troisième où la tâche pourrait être urgente et non importante, et une dernière où la tâche pourrait être non importante et non urgente. Alors, ça crée donc quatre zones, chacune de ces zones porte un nom qui est très évocateur. La première zone qui est celle des choses à la fois urgentes et importantes, des tâches qui seraient à la fois urgentes et importantes, c'est ce qu'on appelle le monde de la demande. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde de la demande ne s'arrête jamais. Euh, ce le, sont les échéances immédiates, ce sont les sollicitations, c'est euh, le fait de répondre au téléphone, d'aider un collègue, euh, de devoir remettre quelque chose très vite, très vite, très vite, très vite, etc. Ça pourrait être la sollicitation d'un client, que sais-je. Donc, ce monde de la demande ne s'arrête jamais. Il y a toujours des choses à faire. Ensuite, il y a le deuxième cadran sur la ligne du haut, donc qui est à droite, et qui... Qu'on appelle ici l'essence de votre vie. Ça, c'est pour le cas où nous serions en vie privée. En tout cas, ce sont les choses qui sont importantes à faire, euh, mais qui prennent du temps à réaliser, je veux dire, qui se font dans le temps, dans la durée. Comme par exemple le fait de devenir une meilleure personne, le fait euh, de développer de nouveaux talents, de nouvelles qualités, euh, de nouvelles aptitudes, etc., etc. Qui sont des choses qui, typiquement, euh, prennent du temps à bâtir. Ce pourrait être, par exemple, le fait d'apprendre une nouvelle langue, le fait d'apprendre à jouer de la guitare, le fait d'apprendre euh, à, à devenir plus patient, etc. On se rend bien compte que ce sont des choses excessivement importantes, mais en même temps ce ne sont pas des choses qui se font dans l'instant, et donc il n'y a pas la même pression du temps sur ces résultats. Ensuite, en dessous, nous avons donc les choses qui nous paraissent urgentes mais qui ne sont pas importantes, mais qui nous donnent donc l'illusion, c'est pour ça qu'on appelle ça le monde de l'illusion, que ce que nous faisons est important, parce qu'il ben, faut respecter l'urgence en question, alors qu'en fait on est occupé à consacrer du temps à des choses qui euh, n'en valent peut-être pas nécessairement la peine. Et enfin, nous avons le cadran où les choses ne sont à la fois ni urgentes ni importantes. Euh, J'ai des amis qui appellent ça le Ninu, en fait. C'est le monde du loisir, c'est le monde où on perd son temps finalement. Euh, c'est par exemple quand vous regardez des vidéos de chats sur Internet. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien de regarder des vidéos de chats sur Internet. Ça peut détendre, ça peut faire du bien aux émotions, mais c'est ni important ni urgent. Alors, oublions la ligne du bas. Et concentrons-nous sur la ligne du haut, puisque par rapport à ce que j'ai besoin de vous expliquer aujourd'hui, j'ai juste besoin de ces deux premiers cadrans. Quand vous quittez la réunion, ben vous, vous quittez la réunion avec une mission qui est à accomplir, et en toute logique, vous devriez, une fois rentré à votre bureau, prendre un moment de temps pour prendre du recul et quelque part euh, comprendre ce qui vous a été demandé. Euh, identifier le processus euh, de travail que vous allez devoir mettre en œuvre, éventuellement identifier les, les, les matières premières, les ressources dont vous aurez besoin, éventuellement même le matériel dont vous aurez besoin, et en tout cas, donc quelque part, comprendre la démarche dans laquelle vous allez devoir euh, rentrer. Euh, derrière, ben, une fois que vous en aurez identifié les éléments, ben, vous pourrez euh, la planifier. Et cette planification va venir euh, en, comment dire, euh, en concurrence avec ben, les autres tâches qui sont déjà programmées, euh, les autres échéances qui sont déjà à, à, à respecter. Évidemment, au mieux vous allez planifier, au plus ce sera facile pour vous et au mieux vous serez en maîtrise de votre travail. Pour pouvoir faire ça, ben, vous avez besoin de vous poser. Et donc, vous êtes dans le cadran où la chose est importante, parce que préparer votre travail, surtout si c'est une mission importante, c'est quelque chose d'excessivement important. Hein, je viens d'en utiliser le mot. Par contre, ce n'est pas urgent. Il n'y a pas la pression du temps qui vous dit ah, ça doit être fait tout de suite, il y a quelque chose à rentrer, il y a quelque chose à faire là maintenant. Malheureusement, quand vous allez rentrer dans votre périmètre de travail après la réunion, ben, vous allez être assailli par le monde de la demande parce que il y a des urgences euh, qui vous attendent, il y a peut-être des collègues ou des clients qui vous ont appelé, il y a, a peut-être des coups de téléphone euh, à, à donner, euh, parce qu'on a pris des messages en votre, en votre absence, ou alors euh, il y a des échéances urgentes euh, à satisfaire tout de suite, parce que c'est pour aujourd'hui, c'est pour demain, c'est pour dans 20 minutes. Et donc en fait, le monde de la demande va vous assaillir, euh, va, va vous tomber dessus. Euh, il vous attend d'ailleurs, si bien que euh, vous, vous allez vous dire, ben, dès que j'aurai un moment de temps, je m'occuperai de la programmation de cette mission que, que, qui m'a été confiée et qui est excessivement importante. Le seul problème, c'est que ce moment n'arrivera jamais, parce que jamais vous n'aurez un moment pour faire ça, à moins que vous ne le preniez. Pourquoi Parce que le monde de la demande ne s'arrête jamais, tout simplement. Ça veut dire quoi ben Ça veut dire que vous allez devoir développer à minima beaucoup de disciplines de façon à vous forcer à aller dans ce cadre. Alors déjà, le fait maintenant que vous en ayez conscience peut vous aider déjà à prendre cette décision en disant bah, « Tiens, voilà, quelque chose est attendu de moi. La seule façon intelligente de faire les choses, et pour moi, de gagner du temps, et d'être performant et de pouvoir respecter l'ensemble de mes, de, de mes euh, échéances, c'est de prendre un moment dans, dans ce cadre-là et de programmer mon travail, de préparer mon travail. Donc déjà... Cette, cette, cette autodiscipline est quelque chose que vous pouvez acquérir. Alors, au quotidien, on reverra ça probablement quand on parlera de gestion du temps. Il euh, ben, y a déjà des choses que vous pouvez faire, comme par exemple prendre l'habitude en fin de journée, avant de quitter le, euh, votre poste de travail pour rentrer chez vous, de préparer, de planifier la journée qui est du lendemain. Pourquoi ben, Parce que vous avez encore clairement en tête le reliquat euh, de la journée euh, d'aujourd'hui. Éventuellement, euh, des choses que vous a demandé, que vous avez peut-être oublié de noter, mais qui seraient importantes de faire demain. Et donc, il serait, il serait important qu'elles soient notées quelque part. En plus de ça, en allant consulter euh, les, les prochaines échéances et les choses sur lesquelles vous vous êtes engagé, eh vous pouvez compléter évidemment votre charge de travail du lendemain euh, et donc planifier votre journée en question. Comme ça, le lendemain, quand vous arrivez, vous déposez votre, votre manteau au vestiaire. Euh, vous allez peut-être vous servir une euh, tasse de café à la machine à café, puis vous vous installez à votre bureau et il n'y a plus qu'à suivre votre plan de travail. Euh, ok, il n'y a pas de réunion tout de suite. Ok, okay quelle est la première tâche C'est là. Et vous vous y mettez, vous pouvez avancer. Donc, ça, c'est excessivement efficace. Maintenant que nous avons exploré toutes ces différentes facettes, toutes ces conséquences parfois très négatives de cette question malencontreuse en fin de réunion, imaginons que vous soyez le chef et regardons les choses du côté du, du chef. Qu'est-ce que euh, le manager pourrait faire pour éviter bah, cette situation euh, malheureuse et toutes ces conséquences euh, négatives qui en découlent la réponse est simple, il pourrait déjà euh, changer de question. Alors, c'est ce que nous allons voir ensemble et nous allons voir également que cela va beaucoup plus loin qu'on l'imagine et que ça apporte des avantages bien plus importants qu'on pourrait euh, l'imaginer de prime abord. Alors évidemment, si... Euh, en tant que responsable, vous posiez la question à vos collaborateurs, euh, admettons que vous ayez en face de vous euh, Nabil, et que vous disiez, tiens, si Nabil, pourrais-tu euh, me réexpliquer ce que je t'ai demandé Sinabil ne va pas se sentir très très motivé ni très reconnu, disons, en tant que euh, bon professionnel. Donc euh, sa motivation va en prendre un coup, il aura probablement à nouveau le sentiment d'être humilié devant ses collègues, alors qu'à nouveau, il est peut-être en compétition avec ses collègues pour pouvoir euh, euh, évoluer dans sa carrière. Euh, donc euh, il ne va pas vraiment apprécier cela, il vous en voudra même probablement. Euh, donc c'est assez humiliant, j'ai envie de dire, comme question. Or, c'est pourtant la question qu'on aurait besoin de poser. Alors comment s'en sortir eh bien, il y a moyen de contourner cela en posant une autre question, mais qui va euh, nous permettre quand même d'avoir une bonne vision, euh, une bonne compréhension de la situation. Je pourrais regarder Sinabil, si c'était moi qui étais son supérieur hiérarchique, et lui dire bah, Tiens, Sinabil, par rapport à ce que je t'ai demandé tout à l'heure, pourrais-tu euh, m'expliquer comment tu comptes y prendre Et là, ce faisant, ben, j'ai un double avantage. Non seulement Sinabil est obligé de se positionner ben, dans le cadran important non urgent, et donc de se projeter dans le futur et commencer à imaginer ben, à quoi pourrait ressembler le processus, quels sont les états par lesquels il devrait passer, éventuellement les choses dont il aurait besoin, euh, les ressources dont il aurait besoin pour faire son travail, etc. etc., etc. Donc je lui fais faire en séance le travail qu'il n'aura probablement pas la discipline de faire quand il sera rentré dans son environnement de travail. Comme en fin de réunion, ben, ce travail aura été fait dans sa tête, ben, il n'aura plus besoin d'aller dans ce cadran, mais ça veut dire aussi qu'il pourra commencer à entreprendre le travail qui lui a été demandé parce que les étapes seront claires dans son esprit et ce dont il a besoin également. Et donc, il pourra commencer à agir, mais agir avec intelligence et de manière efficace. En plus de ça, quand il aura décrit les choses, j'aurais pu lui faire quelques suggestions ou réajuster certes, euh, certains aspects de sa compréhension. Côté compréhension, ben, je vais être assez facilement renseigné quant au fait qu'il a compris euh, assez parfaitement ce que je lui ai demandé au pas, puisque quand je lui ai demandé quelque chose et que je suis a priori euh, suffisamment expérimenté en tant que son supérieur hiérarchique, euh, je me suis fait moi-même une, une idée de, des états par lesquels je serais amené à devoir passer pour pouvoir réaliser cette mission. Donc. Quand il va me décrire la façon dont il va s'y prendre, je vais tout de suite comprendre s'il va dans la bonne direction, si, euh, si ce qu'il se propose de faire va bien produire, ou en tout cas a de bonnes probabilités de produire le résultat que j'en attends. Donc c'est une façon, je trouve, assez élégante d'à la fois comprendre si la personne a bien compris ce qu'elle était amenée à comprendre, et donc de vérifier ce point, et d'un autre, euh, ben, ça aide également la personne à euh, faire ce travail qu'elle n'a peut-être pas la discipline de faire, qui est celle de programmer son action. Euh, derrière, les conséquences en seront heureuses, puisque... Ben, non seulement euh, comme, clarifié, comme le, le, le propos a été clarifié et a été validé, ben, mon collaborateur, quand euh, Sinabi, en l'occurrence, quand il va retourner dans son environnement de travail, non seulement pourra se mettre au travail directement, mais en même temps aura beaucoup moins d'hésitation dans son travail, il le fera beaucoup plus vite et donc je lui fais véritablement gagner du temps. La probabilité que le travail qui me sera remis soit conforme à mes attentes, eh bien, est beaucoup plus importante, ce qui veut dire qu'il s'expose finalement à mes félicitations la semaine suivante, ce qui va renforcer euh, la confiance qu'il a en lui comme sa confiance en lui euh, s'accroît eh bien euh, il sera d'autant plus à l'aise pour travailler il travaillera d'autant plus vite parce qu'il aura encore moins d'hésitation dans son travail euh, la relation avec moi va se renforcer également dans la mesure où euh, comme nous aurons été clairs dès le départ euh, sur ce qui est attendu et que derrière il recevra les félicitations parce qu'il aura effectivement fait euh, ce qui, ce qu'il avait à faire, parce qu'il l'aura compris également, il aura le sentiment également que je suis une personne excessivement intègre et euh, que notre relation est une relation harmonieuse. Et donc on se rend compte que ce faisant, on va rentrer dans une spirale ascendante vertueuse. Euh, évidemment, tout ça va le motiver. Euh, comme il est motivé, il va travailler d'autant mieux, d'autant plus rapidement, euh, avec d'autant plus de confiance. Comme les résultats derrière ben, euh, seront au rendez-vous, ben, il va recevoir le feedback positif dont il a besoin, ce qui va encore accroître sa motivation, etc., etc. Donc on se rend compte que ça prend vraiment la bonne direction. Alors évidemment, moi, c'est ma façon à moi de poser la question. Hein, donc, Sinabil, euh, euh, par rapport à ce que je t'ai demandé, euh, comment comptes-tu t'y prendre Maintenant, il y a peut-être d'autres façons de faire. Euh, évidemment, si vous posez cette même question à tout le monde et de manière rituelle, euh, ben, très vite, ça aura quelque chose de, de, de superficiel ou de... comment dire... Euh, d'artificiel. Donc à vous de trouver d'autres façons de poser finalement la même question. Ça pourrait être par exemple, surtout s'ils sont des travaux beaucoup plus légers, euh, « Tiens, Sinabil, euh, par rapport euh, à la tâche que je t'ai confiée tout à l'heure, euh, de quoi aurais-tu besoin euh, pour pouvoir euh, la réaliser ?» À nouveau, poser des questions ouvertes, parce que j'aurais pu poser une question fermée. Euh, j'aurais pu poser la question « Tiens, Sinabil, par rapport à ce que je t'ai euh, demandé de réaliser tout à l'heure, as-tu tout ce qu'il te faut ?» Et là, il va me dire oui, il va me dire non, mais la, 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 c une question, à nouveau, c'est une question fermée. Ça ne me renseigne pas par rapport à ce, ce qu'il a effectivement pour le réaliser ou pas. D'accord Donc, apprenons à poser des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions qui poussent la personne à devoir, euh, comment dire, euh, exposer quelque chose, euh, expliquer des choses. D'accord Donc, à vous de trouver éventuellement d'autres questions. Alors, euh, si vous en avez, ben, proposez-les dans les commentaires ici en dessous, ça nous enrichira tous. Euh, moi, je vous ai proposé la mienne, ce n'est pas nécessairement la meilleure, il y en a peut-être d'autres, et ça me fera plaisir vraiment de découvrir les vôtres. Donc voilà en substance ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc euh, si vous avez aimé cette vidéo, ben, faites connaître tout doucement mon travail pour cela. Ben, Soutenez-le à travers euh, ben, soit euh, un pouce bleu. Euh, si vous voulez être tenu au courant des, des nouvelles vidéos, ben, actionnez la petite cloche. Euh... Souscrivez également au canal si vous voulez euh, recevoir les notifications. Euh, sinon, pour le reste, ben, il me reste à vous souhaiter beaucoup de bonheur, que tout aille bien pour vous. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A très bientôt.